Bonjour mon ami, tu kiffes les vidéos de Rito, non? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. La famille, c'est comment? Je sais que vous allez très très bien. Il est midi et puis c'est que vous êtes branchés. Vous voulez savoir ce que je vais dire à mes artistes. Franchement, moi je suis pas content d'eux. Et puis il est chié pour eux. Ah, zo dans le carton même. Il est chié pour eux. Caca mauvais. Voilà. Il y a un truc. Je vais vous expliquer. Vous savez, il y a des gens là. Ils ne savent pas chanter. Mais je ne suis pas mal poli. L'éducation que j'ai reçue de mes deux parents là ne me permet pas de venir trop me moquer des gens. C'est pourquoi souvent je calcule mes mots. Sinon, ça ne chauffe pas de mon côté. Ça ne chauffe pas. Moi, je ne suis pas le gars qui a crié sur les réseaux sociaux. Et puis quand ça arrivait loin, tu as demandé pardon et puis a accepté un non. Hein. Moi, il regarde seulement. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas tout le monde en attaque. Mais pour l'instant, il dose. Il est rentré sur la sphère musicale. Là-bas, on s'est exprimé. Donc, je vous dis officiellement qu'à cause d'un individu lambda que j'essayais d'aider comme je pouvais, Eritor de Church TV rentre en studio. Et puis mon nom d'artiste là, ça sera Eritor. Voilà, je rentre en studio officiellement. Donc, dans les vidéos prochaines, je vais vous donner la date de sortie de ce premier single là. Donc je vais essayer de rentrer en studio, faire un petit truc pour montrer aux gens qui ne savent pas chanter, qui ne valent rien en chose en quelque sorte. C'est parce que nous, la musique, c'est vraiment pas quelque chose qu'on y prend au sérieux. Voilà, on allait au school, on essaie de travailler en bureau, vous voyez un peu, non? C'est pour ça, mais comme mes artistes sont trop loin, trop fort, trop dangereux pour ce dernier-là, moi-même, les petits, Erito, là, il est venu. On m'a dit l'effacer musicalement. Voilà. Il sait de quoi il parle. Et puis, il y a beaucoup qui sont parmi vous, là, qui me connaissent très bien. Ils savent de quoi je suis capable. Ils rentrent en studio officiellement. Donc, soyez prêts. Soyez prêts. Vu qu'il lui peine à faire, là. Tellement que le son sera bon, non? Vous avez dit, ah, il est trop fort, arrêtez de faire vidéo là. Faut commencer à chanter. Mais j'ai 2 mètres toujours dans mon registre. Voilà, je suis chroniqueur. Je réagis, c'est ce qui m'arrange et ce qui ne me dérange pas. Ce qui me dérange, s'il vous plaît. Voilà. Avant de vous expliquer pourquoi je vais clasher mes artistes, si vous vous rappelez, hier, je crois, dans la journée d'hier, cet individu lambda dont je vais taire le nom, je ne vais même pas le faire le plaisir de mentionner son nom, et peiné à chanter sur un son du grand DJ Massiou, qui est désormais Maxiou, qui est produit chez Baby Team Records. Ce dernier a peiné à chanter cette chanson-là. Donc avant de vous expliquer pourquoi je suis fâché contre mes deux artistes, je vais fredonner d'abord sur mon son-là. Vous allez comprendre. Cette vidéo, je sais que ça va vous plaire. Voilà. Donc écoutez comment on chante cette chanson que les gens peinaient à chanter là. Je dois rester toujours concentré pour mieux barailler. Ma maman m'a fait garçon. Je dois pas demander pour manger. Si Dieu me donne une longue vie, je dois rouler dans grosse voiture. Je dois dormir dans grosse maison. Je dois manger ce que je veux. Aïe, ah, yeah. On y va, aïe, 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 on y va, on y va, aïe, aïe, on y va, on y va, aïe. Donc, les amis, dites aux gens qu'ils n'ont qu'à apprendre à chanter encore. Voilà, c'est passé la musique. On ne s'y intéresse pas. Mais à cause d'eux, il va demander la permission à ma direction hiérarchique. Il a fait un petit truc et puis je vais rendre ça public et puis vous allez juger. Voilà. Maintenant, je vous dis pourquoi je suis fâché. Regardez cet élément-là, il y a quelqu'un qui s'adresse à moi. Et quand toi tu parles de moi, ça me rend petit. Donc, il ne sait pas comment il s'appelle, Hériton, Hérisson ou bien il ne sait pas quoi là. Petit, d'abord un. Je n'ai pas besoin que tu fasses ma publicité parce que ma publicité, je la fais tout seul et je la ferai toujours tout seul. Voilà. De deux, je n'ai pas besoin que toi, tu reconnaisses que je chante bien ou que je chante pas bien. Moi-même, je sais déjà que je chante bien. De trois, tu es un gros suceur de beat. Voilà. Parce que quand on se dit qu'on est fan d'un artiste, on doit le dire clairement. On ne vient pas se jouer les gars qui commentent, machin. Tu vois pas Youssef? Tu vois pas Youssef? Tu vois pas Youssef? Fior de bio. Fior de bio. Petit, tu es un lâche. Voilà, donc il te donne nom, prends ça pour toi, Hérisson. Arrête tes bêtises là. On sait que tu es fan de Bordeaux, faut pas venir faire comme sinon, toi tu fais analyse de musique ivoirienne. Fior de Bio, ça c'est pour toi. Bon, ok. Yo la famille, vous venez de voir la vidéo, hein, mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que je clash mes deux artistes. Voilà, je vais vraiment pas répondre à ce monsieur-là, que je respectais quand même, hein, que je respectais quand même. Mais depuis hier, il a enfoui le respect aux enfers. Voilà, moi je peux plus jamais le respecter, je peux plus jamais le considérer comme un artiste ivoirien. Voilà, pour moi il compte plus même. Voilà, mais néanmoins, comme je suis quelqu'un de bien, j'invite tous mes abonnés, s'il vous plaît. C'est quand même quelqu'un qui se dit artiste ivoirien, qui est sur YouTube, ça fait plus de 9 ans, c'est-à-dire depuis 2010.
qui peinent à atteindre les 10 000 abonnés. Donc je vous prie, je vous en prie, partez mettre ses abonnés au moins à 10 000, s'il vous plaît. Hein? C'est la famille, c'est la musique ivoirienne qui gagne. Voilà, je vous demande pardon. Le gars, il est sur YouTube depuis 2010, je vous dis, hein? Depuis 2010. Et puis, avant que je parle de lui, il était à 4 000 abonnés. Et quand j'ai commencé à parler de lui, il se retrouve aujourd'hui à 7 chose 6900 abonnés. Voilà. Voilà. Comme je disais, moi, ce qui m'a choqué, moi, je ne suis rien. Voilà, tu peux m'appeler Hérisson, tu peux m'appeler ce que tu veux. Mais c'est le fait que tu viens dire publiquement ici que c'est toi, celui qui fait ta pub. Voilà. Je ne sais pas si il voit TV Musique, c'est pour toi. Si les radios qui jouent, qui te font plaisir en voulant jouer tes morceaux sur les plateformes, sur tes radios. Bon, bref, c'est pas ça. Bon, Didier Arafat est de Bordeaux, vous aussi. Ça fait combien de décennies maintenant que le mec il est en train de se faire un nom, de se frayer un chemin. Mais vous ne lui répondez pas, c'est pas intéressant. Vous êtes arrivé, Dieu vous a fait la grâce d'être des grandes stars aujourd'hui, des Bordeaux qui te fait plus de 400 000 vues en 4 jours, Arafat qui est en train de dépasser ses 200 000 vues. Franchement, soyez pas aussi méchant que ça. Hein? C'est le même travail, c'est le même truc. Donc faites l'effort d'aider vos amis aussi. Aidez vos amis parce que ce gars-là, je pense pas qu'il a envie de faire longue carrière. Parce que quand tu as vraiment envie de faire longue carrière, tu t'attends pas sur les détails. Parce que si moi, dans mes vidéos jusque-là, je fais l'effort de ne pas insulter ce dernier-là, de ne pas lui dire des grossièretés, c'est parce que d'abord, un, j'ai reçu une très bonne éducation, et de deux, je ne sais même pas pourquoi je vais l'insulter en fait. Je ne sais même pas pourquoi. Sinon, pour tout ce qu'il fait, pour toutes ses sorties vidéos, c'est que de la merde en fait. Voilà, c'est juste pour se faire remarquer. Et c'est ce que je dis dans mes vidéos. Je dis, le mec se fait remarquer négativement. Et ça, à cause de qui? À cause de Didier Arafat et de Bordeaux. De Bordeaux, toi, tu as essayé de lui répondre en vidéo. Mais bon, fallait dire son nom au moins. Et puis c'est fini. Fallait dire son nom, dis son nom. Parce que je ne comprends pas. Les gens t'ont insulté ici sur Internet. Les gens t'ont insulté ici sur Internet. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Moi, qui te dis des vérités, en venant te donner des conseils, tu t'attaques à moi. Mais c'est pas toi. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, comme je l'ai dit hier, c'est pas toi. Ce sont ces deux artistes-là, c'est Didier Arafat et de Bordeaux qui t'ont donné le nom pour que moi, petit, qui ne signifie rien là, tu viennes me clasher. Mais comme je l'ai dit là, moi, Didier Arafat, de Bordeaux, en parlant en musique maintenant, voilà. Comme monsieur fait sa publicité tout seul, je ferai l'effort de ne plus, on va dire, ça t'est clashé, t'es plus de donner de conseils. Voilà, si tu fais de bonnes choses, je vais en parler. Voilà, parce que moi, j'ai jamais aidé. Je ne suis pas aussi mauvais comme tu le crois. J'ai jamais aidé. Et puis, pour info, je dis à tous mes abonnés qu'actuellement, j'ai mis le lien de sa chaîne en description de vidéo. Cliquez, partez vous abonner massivement là-bas. Voilà, même si ce dernier n'a pas besoin de mes services, je vais lui donner mes services. Parce que moi, ça me fait beaucoup pitié. Voilà, ça me fait beaucoup pitié. Tout le monde ne peut réussir dans la musique. Voilà, mais il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris ça. Mais si les gens veulent à tout prix réussir dans la musique, on va les aider. Donc, Didier Arafat, franchement, moi, je ne suis pas content de vous, des Bordeaux et tout ça. Moi, je suis vraiment, vraiment pas content de vous. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Hein. On mettrait des rissons. Bref. Donc, vous croyez qu'il est venu clasher Didier Arafat et des Bordeaux? Non, c'est que vous aimez ça, hein. Effectivement, je ne suis pas content de parler, c'est à cause d'eux. Parce que je prends les défenses qu'on m'a clashé comme ça. C'est tout, mais ça s'arrête là. Il n'est jamais venu clasher. Je dirais pas que des Bordeaux. Par rapport à quoi? Déjà que je suis un chisseur. Les amis, mes abonnés fidèles, pardonnez, dites en commentaire, je suis fan de qui? Est-ce que dans mes vidéos ici, je ne vais pas dire publiquement que je suis fan de Bordeaux, Likoufa? Est-ce que je ne dis pas tout le temps dans presque toutes mes vidéos que je suis fan et fier de Bordeaux Likoufa? Est-ce que je n'ai pas pleuré sur les réseaux sociaux ici à cause de Bordeaux Likoufa? Vous ne savez même pas clasher. Là, je viens te faire un coup de clash. Voilà. Quand tu vas voir tes abonnés augmenter, tu auras honte. Je ne t'ai pas insulté, mais je viens te clasher. Parce qu'effectivement, tu n'es pas bon chanteur. Tu n'es pas quelqu'un en réalité, tu es fort. Voilà. Mais sois-en sûr,
Didier Arafat, de Bordeaux. Ils vont jamais te répondre. Tu es arrivé ici, bébé Philippe. Bébé Philippe, c'est mon frère. C'est un Abidji. C'est que tu ne sais pas. Tu penses que c'est quand tu as pas une caméra, venir te mettre devant les gens, dire tout et n'importe quoi, attaquer n'importe qui, que tu vas te frayer un chemin dans la musique ivoirienne. Je dis et je persiste à dire, si tu prends cette ligne-là, si tu prends cette route-là, tu vas rester dans le noir, dans l'obscurité. Voilà. Dans la vie, là, gros que là, ça ne manque pas riche. Mais souvent, ton gros que tu rattrapes. Et puis, tu demandes pardon. Je peux t'insulter, hein, mauvais, mais puis ça ne va pas aller quelque part. Ça va même pas aller quelque part. Mais bon, il y a mes parents qui me suivent, il y a des amis qui me suivent, il y a des gens qui me respectent bien, qui me suivent, donc je ne vais jamais faire ça. Voilà. Bon, les amis, cette vidéo, en quelque sorte, c'est pour encourager ce dernier-là. Donc, son lien en description. Cliquez dessus et partez vous abonner. C'est la musique qui gagne. Que Dieu vous bénisse. C'était la vidéo du jour. Et puis vous aussi, Arafat et Debordo. On me suit trop à cause de vous. Hein. Voilà, on me suit trop à cause de vous. Ciao, ciao, les amis. Je sais très bien que vous avez dit qu'il parle. Non, il n'a pas besoin de mentionner son nom. On est ensemble. Eri,